bonjour. Depuis le début de ce Tour de Bretagne, nous vous parlons des vainqueurs d'étapes, des leaders, bref, des équipes pour lesquelles tout se déroule au mieux sur cette épreuve. Et puis, il y a les autres équipes, celles dont on parle peu ou pas, faute de résultats. En tout cas, pour ceux qui en douteraient, le vélo est un sport où il est très difficile de se faire une place au soleil. Résumé en trois coups de pédale de ce que vivent les coureurs de Supersport 35 sur ce Tour de Bretagne 2008. Entre nous, on en a discuté et on a vraiment la sensation d'avoir fait le maximum, quoi. Donc je veux dire, moi quand je laisse partir les coups dans les bosses, je fais pas exprès, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas de prétention, on n'avait pas de prétention générale, mais bon, on avait des prétentions plus sur les deux premières étapes et après sur les autres avec nos grimpeurs, quoi. Après 768 km de course, un chiffre qui fait mal, 27 minutes 47 secondes de retard sur le leader pour le mieux placé des Supersport 35, Tristan Leyondre. Une performance très en dessous des ambitions affichées il y a encore quelques jours. C'est un passage obligé, le vrai niveau est là, ils apprennent énormément en peu de temps, simplement en observant. Et c'est vrai que c'est dur, mais j'arrête pas de les rassurer en leur disant que voilà, il faut passer par là et que les choses seront beaucoup plus simples demain. Car Stéphane Elot ne travaille pas pour le présent, mais bien pour l'avenir, pour que les plus jeunes de l'équipe deviennent un jour des professionnels. Une route très longue, souvent semée d'embûches. Vous avez chuté du vélo, chuté dans le classement. Voilà, les deux, en même temps. Sauf le moral. Le moral est bon quand même. Le moral, ça va pour l'instant, vaut mieux, parce que on sur 7 jours... Vous le voyez, c'est le principal, la bonne humeur règne dans l'équipe de Stéphane Elot. Tout de suite, le résumé de l'étape du jour avec un Benoît Poilvet, le leader qui avait vraiment ce matin la pression sur les épaules. Benoît Poilvet, très sollicité avant le contre-la-montre de Dol de Bretagne. Très sollicité, mais aussi très décontracté. J'espère que je vais en surprendre plus d'un, parce que c'est vrai qu'on parle pas de moi, on ne sait pas trop ce que je joue en chrono, mais bon, là, je vais essayer de montrer aujourd'hui que je suis bon. J'espère. Ouais, on compte sur vous. D'accord. Un Breton quand même, ouais. Sur ce Tour de Bretagne. Vous pouvez le gagner. Hein. Ouais. Vous allez le gagner. On vend pas la peau d'ours avant d'avoir tué, donc il reste 2 jours. L'objectif du jour pour Benoît Poilvet sur ce contre-la-montre, ne pas perdre plus de 3 secondes au kilomètre sur ses principaux adversaires. Le coureur de Bretagne Armor Lux va faire beaucoup mieux. Il va rivaliser avec les meilleurs, notamment avec Lars Boom. Le coureur de l'équipe Rabobank, imbattable, à plus de 47 km/h de moyenne, il remporte ce contre-la-montre. Mais le danger pour Poilvet, c'est lui. Bram Schmid, second du général. Le Néerlandais termine à 13 secondes de Lars Boom, insuffisant pour conquérir le maillot de leader. Un maillot qui ce soir est bien accroché sur les épaules de Benoît Poilvet. En terminant 5e du contre-la-montre, le coureur de Bretagne Armor Lux conserve 54 secondes au général sur son principal adversaire. On est heureux, satisfait, il reste une journée demain, mais on va mettre toute l'équipe au service de Benoît. Et je pense que Benoît est parti pour gagner le Tour de Bretagne. Il faudrait vraiment un concours de circonstances, un accident ou quoi. Mais bon, on va tout mettre en œuvre pour gagner ce Tour de Bretagne. Comme on dit, hein, on va pas lâcher le morceau s'il prend du but. Hein. Bretagne Armor Lux est exactement à 149 km du bonheur. Demain, entre Dol et Dinan, Benoît Poilvet sait qu'il pourra compter sur ses équipiers pour défendre sa première place. En tout, 4 victoires pour les Rabobank. Pas mal, mais un réconfort. Ce soir, c'est un Breton qui est leader de ce Tour de Bretagne. Alors, Benoît Poilvet va-t-il réussir à conserver son maillot? Réponse demain dans le journal de 19h. À demain. Et à demain. Avant de nous séparer.